toujours bien. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous lancer un nouveau workout parce que c'est une couple de fois qu'on roule les autres. Fait que là, j'en ai un nouveau à vous ajouter aujourd'hui. Pierre, il va le mettre dans votre programmation. Je ne sais pas exactement c'est lequel qu'on va remplacer. Ce que j'ai décidé de vous ajouter comme workout, ça va être un entraînement qu'on va accumuler un nombre de répétitions. Depuis le début, je vous dis en une minute, vous faites le plus de répétitions possible. Là, aujourd'hui, on va aller chercher un nombre de répétitions le plus rapidement possible. Fait que vous vous chronométrez, puis le but à travers les semaines, ça va être d'améliorer votre temps, finalement. Fait que ça va être super simple, ça va être 30 répétitions de 10 exercices pour totaliser, dans le fond, 300 répétitions à la fin. Super? Donc, premier exercice qu'on va faire 30 fois, ça va être des jumping lunge. On en a déjà fait. Donc, jumping lunge, simplement, attention à vos genoux qui ne dépassent pas les orteils, je saute et je fais un lunge. Si c'est trop difficile, je ramène mes pieds ensemble et je refais un lunge. Je ramène mes pieds 30 fois. Donc, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Super. Ensuite de ça, prochain exercice, je vais aller faire les push-ups. 30 push-ups. Donc, j'aimerais faire les pieds sur la chaise. Et j'allais faire 30 push-ups. Comme ceci. Si c'est vraiment trop difficile, je peux les faire au sol. Mais lancez-vous un petit challenge, là. Pieds sur la chaise. Ça marche? Ensuite de ça, 30 abdominaux. Donc, ce que je vais faire, 30. C'est top, tout simplement. Donc, je touche au sol, je viens, je touche les orteils. Super. 30 répétitions le plus rapidement possible. Prochain exercice, ça va être des squats à une jambe. Donc, soit en utilisant la chaise, comme ça. Je veux juste vous dire que c'est 30 par jambe en passant. Fait que ça va être 1, 2 et 30 de l'autre côté. OK? Si vous êtes capable, pas de chaise, mais je pense que la plupart, ça va être avec la chaise. Donc, je vais vous montrer avec ça. Ensuite de ça, prochain exercice, si vous en doutez, burpees. 30 burpees. Aussi simple que ça. Prochain exercice, ça va être des reverse fly. Donc, on va reprendre les cannes de conserve qu'on avait. S'il y en a qui ont des petits poids, vraiment les genoux légèrement fléchis, le dos bien droit. Et je vais venir chercher comme ceci en engageant les omoplates. Ça marche? Donc, 30 fois. Si c'est trop léger, on va garder 2 secondes en haut, 2 secondes en haut pour 30 répétitions. Prochain exercice, on va mettre les pieds sur le banc. On va être en position de planche et je vais essayer de venir lever une jambe le plus haut possible. Donc, 1, 2, comme ceci. 3, 4, jusqu'à 30. Super. Prochain exercice, ça va être le fameux YWTI. Donc, je vais faire un YWTI. Toujours garder les pouces vers le plat. Donc, Y, j'ai mes pouces. W, j'ai mes pouces. T, j'ai mes pouces. Et I, j'ai mes pouces. Super. 30 répétitions de ça. Et ensuite de ça, je vais partir les dips. Pour les dips, vu que c'est juste 30, je veux les pieds le plus loin possible du banc. Super. Et je vais descendre pour 30 répétitions. Et finalement, 30 encore abdominaux. Je vais venir faire coucher sur le dos. Le bas du dos collé au sol. Les mains de chaque côté. Et je vais venir faire un abdo bas, en bas. Un. De côté, de l'autre côté, ça fait 1. Je recommence. Ça, ça fait 2. Et je repars jusqu'à 30. Super. Et c'est ce qui complète nos 300 répétitions. Fait qu'on se chronomètre et on se fait un suivi de qui était le plus rapide dans le club. Ça marche?